Ouais, ça va être bon. Ah, ça devrait. Un troubadour a dit à propos... En tout cas, ça a rapport avec le chemin de la fillette Malon qui a appris avec Link à propos de l'apocalypse à Termina puis à Hyrule. En s'entraînant avec MacGuy et Link, elle est devenue de loin de mieux que hier en excellant en virtu, en pensant plus à propos traverser à propos du temps. Mm-hmm. En tout cas, ça, c'est surtout parce que c'est en lien avec le contrôle, jouer avec le temps, tu sais. Mm-hmm. Jusqu'à ce que ça se gèle complètement, condamnant sa journée dans une... Éternelle? Journée éternelle, c'est ouais, ça, c'est sauf ça. Sauf qu'une minute est éternelle. Ouais. Et juste avant de passer à l'exhaustion, elle a finalement trouvé un nouveau village. Country village? Ben, peu importe. Country ou... Non, country, c'est une région. Ah, d'accord. Ok, oui. Ouais. Joyeuse. Oh, voilà. Hey, qui es-tu? Ne me regarde pas comme ça, petite fillette. Même pas après quelques annulations. Moi, je suis Knight, la fée. Et je suis en recherche d'un héros pour sauver cette village. Alors, depuis que le temps y a arrêté, les inhabitants d'Abelo, ils deviennent fous. Je ne peux pas dire depuis combien longtemps, là, mais nous avons besoin d'aide. Oh, peut-être que tu es trop faible pour le faire. Ouais, il s'est fait pousser par une fée. C'est toi qui vas parler seul là. Calmez-vous vous deux. Calmez-vous. Nous avons besoin d'une équipe. Une équipe pour sauver le monde. Ouais, je vais t'aider un peu. Mais premièrement, tout ce que cette fillette a besoin, c'est de dormir. Elle ne peut faire à son état. Il y a un chemin qui mène au Sagnol village. Va te reposer à beaucoup et reviens me voir dans le village quand t'es prêt. Si je fais ça, faut que je fasse en version anglais. Mais ouais. Encore là. Et c'est ce que cette fille a trouvé dans la quête du dilemme. Un dilemme qui pourrait lui coûter sa propre vie. The Legend of Zelda, Master of Time. Un jeu original par Don Camillo. Et oui. Et l'adaptation de Soleil Luna. Les femmes, les fillettes peuvent devenir des héros même. Ouais. Dédié à Malon et Link, le couple romantique. Depuis. Start! Et voilà. Et Malon a les deux cadettes. Parce ouais. que, ben. On l'a fait goûter l'alcool. Ouais, c'est ça. Et du coup, faire le numéro 1, hein, en fait. Ouais. Ouais. Parce que, on s'était-tu présenté avant? Ben, c'est vrai, ça! Bon. Bonjour, mes chers petits humains! C'est Banjui! Et... Dungeon Ramskid. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau Let's Play qui va être un Akum sur The Legend of Zelda. Comme vous avez vu celui-ci, le Master of Time. Ouais, et je tiens à dire qu'il y a aussi un Let's Live, mais sur ma chaîne sur Twitch qui s'appelle Dungeon Ramskid 1. Puis, bien sûr, il va y avoir une version. Mm-hmm. Comment tu... Ah non! Peut-être. Ben? En fait, je voulais faire un truc. Non, efface pas le mien, je pense. Non, je voulais l'appeler comme plus... Je voulais marquer MC Banjui. MC Malon. Ah, MC Malon? Pour Malon. Ben oui, oui, parce que ça va appeler... Oui, oui, MC Malon. En même temps, je me dis, on pourrait... Parce que je sais, c'est moi qui t'ai invité. Mm-hmm. La raison, c'est parce que je veux pas me mélanger avec mes autres
tes autres games, là. Ni moi et mon gaming, mais sans commentaire. Oui, c'est sûr. Pas nécessaire de faire un espace. Non, non, il n'y a pas d'espace, en fait. Ah. J'ai mis un point, puis ça fait un genre d'espace comme ça. Ok, je pense que tu peux peut-être faire ON, ouais. Ouais, normalement. Ah, je pensais pas que le point faisait un espace. Bizarre, bon, ça. Non, non, je... Ok. C'est bizarre. Ben, let's go. Parce pas que regarde, quand tu vois le rond, ah, le okay, point, ouais. Ça fait ça. Ouais, c'est ça. Vrai. Ben, au moins, ça rentre pile poil. Pile poil, MC Malone. Let's go. Yes, bon, faut savoir que j'avais déjà tenté ici de faire un let's play là-dessus, mais sauf qu'il était en anglais. Puis réveille! Réveille la fille! Non, pas une minute de plus. Personne ne t'a demandé d'écrire des lettres à un certain Link pendant ces heures tard. Réveille, je t'ai dit! T'as assez dormi! Fille paresseuse de nulle part ailleurs. Il est vieux, hein, ce truc. Ouais, c'est ça. J'ai tenté ici de faire un l'esprit là-dessus, mais comme c'était en anglais, je comprenais la moitié, puis je comprenais un peu crush, en fait. Ok, ouais. Donc j'avais besoin de Empty Kid pour la traduction. Enfin, quelle fille irresponsable. Toutes les fillettes pensent de nos jours. C'est ce qu'il pense à propos de la romance. Mmh. Ouais. Bon, je t'ai amené une carte par quelqu'un qui par un vendeur là pendant que tu dormais à la beauté. Mmh. Il n'y a pas de nom d'endroit, juste une image du royaume. Ouais, mmh. C'est ça. Oui. Nous allons aider ça manuellement. Ne te plains pas, car ce n'est pas une carte. Si, donc, à propos de ça, ouais. Si c'est pas une carte, achète-toi-en une toi-même. Tellement violent. Et si tu es là pour acheter une map plus récente, si tu étais là, ouais, ça, au début. Ouais. On aurait eu de quoi de mieux un peu plus tôt. Je m'en fous qu'il n'y a pas de nuit à Bello. I don't care. Ah oui. Et même si tu vis derrière les étoiles, ben, dans le fond, la lumière du nord, mm-hmm. près des cercles de glace qui maintient l'eau et t'endort responsablement. Seulement le jour, peu importe, ils ont une responsabilité. Quelle heure est-il? Je m'en calisse. Allez, on y va. Oui, on s'en calisse. Oh, et tu as été T'as été vraiment imprudente. Ton bouclier a été volé. Probablement un de ces pesants voleurs l'a fait. Bah, je pourrais shooter. Je vais l'avoir, puis je vais changer les boucliers pour montrer ses boots. Je te dirais, va sur le toit avec l'aide de tout ça à ta gauche. À gauche? Non, moi lui. Ouais, parce que là, on va chercher tout de suite des cordes de cœur, comme par exemple ici. Ouais, t'essaies de viser à telle place. Ouais, tu t'en vas par là-bas. Ok, d'accord. Dans le pire des cas, ce que tu peux faire, c'est le laisser en haut pour te mieux te viser. Comme ça. Ça, faut que je saute de là. À partir de là, ouais, c'est ça. Ah. Juste une petite affaire plus proche, puis tu vas l'avoir. Ok, attends. Peut-être que j'ai pas assez de Zwing. Oh oui, ah, là, j'ai c'est parfait. Bon, nice. Là, c'est parfait. J'avais l'impression que j'arrivais à rater. Tout le monde a une impression quelque part, mais... Et il y a même une tradition sur ça, hein. Et tu as une pièce de cœur. Les cœurs et la romance. Quand Link est en train de... Okay. d'attaquer, la motivation te donne une autre chance. Voilà.
Voilà. On va dire ça. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Ok. Tu sais, je veux dire, je suis quand même average pour traduire, mais je connais quand même beaucoup de mots, fait que c'est pas pire. Ouais, ça, c'est pas. La traduction va être pas parfaite, mais bon. Va-t'en dans le sous-sol, là, maintenant. Le sous-sol de là. Ben là, en derrière la femme. Derrière la femme? Ouais, derrière la femme. Continue ton chemin vers le sous-sol. Ouais, ben faut que t'ailles à gauche, ton sous-sol. T'étais vraiment pas loin. Non, c'était à la même place que t'étais. Ah ouais? Tu tournes à gauche. Complètement dans le fond, à gauche. Ah, j'ai pas vu. Ok, appuie start. Parce que ton épée, tu l'as par contre. Fait qu'il va falloir que tu le sortes. Ah, ok, j'ai déjà l'épée. Ouais. Fait que let's go. Ouais. Là, tu sais comment faire. Mm-hmm. Top. C'est exactement où est-ce qu'il est. Tu veux te faire tuer par lui. On va commencer. Non, ça commencerait super bien pour tout ça. Que là, il faudrait au moins commencer prendre ce que tu l'as doré. Là. Ouais, mais ça, c'est sûr que ça va prendre du temps. Mais je te les indiquerai à fur et à mesure où est-ce qu'ils sont. Voilà. Non, c'est ça, parce qu'en gros, on aura besoin de 30 pour avoir au moins 999 rubis, là, tu me dis. Exactement. Être riche en tabarnak. Je voulais pas monter, mais pourquoi pas. Très bien. Fait que, sors. On va aller voir ton père qui est voisin. Ouais. Voici le village. Le village de Sagdon. Et je vous dis, c'est quand même un bon agroom. Hein. C'est pas n'importe quel de agroom, là. Même si c'est fait par un amateur, ce qu'il l'a eu. La plupart de tous les agrooms, c'est des amateurs aussi. Ouais, c'est ça. Donc, ton voisin, il est là, à ta droite. Là, là? Ouais, ben, la maison rose qui était juste à côté de toi. Pas lui? Ouais, un voisin, c'est pas l'autre bord. Ah, ça peut être où tu es en avant. C'est vrai, hein. Bon, ton père est en train de dormir. Ouais. Ça, je me souviens. Je l'entends ronfler. Allez, il parle. Mariel. Ah, papa à la rescousse. Je suis venu pour t'aider, ma fille. J'ai justement acheté cette maison pas chère pour être prêt. Comment je peux dire? Je suis toujours là pour prendre soin de toi. S'il te plaît, prends ces rubis pour t'aider dans ta journée. Je suis fier de toi, ma fille. Tu t'es jamais corrompu avec l'immortalité et justement la violence. On peut dire ça comme ça. Elle est pure. Elle est pure de beauté. Ouais. De bonté. Pure de bonté. Ouais. Un beau. Ah oui, maintenant les rubis rouges là qui sont c'est 20, c'est 5 ans maintenant. Ouais, c'est rendu plus cheap là. Ouais, comme Kizzy qui a payé une maison cheap. Bon, monte l'échelle. Puis on a déjà le double bord de magie, hein. Ouais. Ben oui. Ça fait partie de la game, ça. Mm. Parce que c'est comme la suite, genre. Mm-hmm. C'est vrai. Il y a une lettre à lire. Tu as décidé d'écrire une lettre. Merci papa pour être ici avec moi, même si tu es toujours un Snorlax. Merci de me supporter et croire en moi. Une petite référence de Pokémon. Ouais. Prendre soin de moi sans abuser de l'autorité. Je t'admire énormément pour ce que tu as fait avec moi après Gelbor qui a essayé de me tuer en me buvant savourément. Gelbor, je sais même pas c'est qui Gelbor. Je sais pas si c'est pas le fameux Luigi là. Je sais pas, peut-être. S'il te plaît, dis ça à Link que je l'aime énormément. Il a été mon meilleur ami depuis qu'on était petit. Je veux toujours vraiment vouloir le marier. Ah, c'est tellement mignon! C'est vraiment mignon. Je ferme mes yeux et je me rappelle
quand ce Peter Pan m'a rencontré à Hyrule au village du château. Je me rappellerai toujours quand il s'est envenu. Oh, elle est tellement charmante. Toujours là à parler à moi à propos de n'importe quoi. Je sais, je suis la beau parleuse ici, la belle parlante. Ce que j'aime à propos de lui, c'est son attention, son amitié. Il n'a jamais joué double jeu, c'est pas importe. Là. Normal, il a jamais parlé, Link. C'est ça. Ces petits jeux d'amour, que ce soit moi ou lui, il a toujours été là pour moi. Ensemble, nous avons joué, appris, souri et même nous serons ensemble pour toujours et être heureux. Yeah. Pas pour eux, pourquoi est-ce que c'est devenu dans Twilight Princess? Ouais. Bon, non. Ok, bah ça. Ben, la référence, dans le fond, ce qui est allé dans Twilight Princess, c'est les descendants de. Ouais, c'est ça. Link d'Ocarina of Time. C'est sûr parce que. Malon. Ouais, c'est sûr parce que ils sont plus dans les trucs de ferme, nous avons même. C'est ça. C'est ça, c'est les descendants. Ouais. Ok, j'ai fait un. Deux tours. Et y'a rien d'autre. Ok. Y'a rien d'autre. Ok, tu peux prendre la porte. Y'a juste des fleurs. Ouais. Bah, c'est mieux avoir des fleurs que pas de fleurs. C'est vrai. On fait quelques rubis. Nice. Ouais, bah ça, on s'en fout. Magic jar. Ouais. Ça, c'est un et les deux, c'est deux rubis. Ok. Yes, sir. Fait que là, je te dirais, va direct là. Tu vas pouvoir aller chercher ton bouclier et tout. Perfect. Fais juste, dans le fond, ouvrir les coffres, puis... Ouais, le bouclier est complètement en haut. Aller complètement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je me souviens par tes bouts, là. Ouais. Bon, pendant ce temps-là, on va prendre le bouclier. Mais avant tout ça, on va ramasser quand même les coffres parce que il faut quand même bien. Ah, bah tiens, on a des coups de notes. C'est ça qu'en fait, moi j'avais essayé de faire un let's play là-dessus, comme je vous dis tantôt. Mais tout simplement, l'attraction en anglais, j'avais vraiment la misère à pouvoir mieux profiter l'histoire du jeu. Et comme je savais pas trop comment ça se passe. Ben, tout simplement, j'ai pas accroché et j'ai pas continué à jouer. Mais grâce à MC Kid, je vais pouvoir enfin profiter à jouer à celui-là. Et du coup, on a le bouclier qui va être bon, nice. Là. Et on va l'équiper. Et voilà. J'ai oublié de sauvegarder, mais c'est pas grave. Et là, on va sortir. Et un peu. Hop. Voilà. Pas bon. Il y a aussi une quête avec les poules. Je crois que par exemple cette poule là, faut que je remonte. Est-ce que je peux? Je peux pas remonter lui. Je sais pas. Peut-être que cette poule-là, on peut pas remonter. Bah, de toute façon, MTK nous dira. Au moins, j'ai pris un cœur. On va aller voir en haut. Ok, c'est qu'à quoi? Ok, c'est par là-bas, on va monter. On va. Ah, ok. là, je vais quand même essayer. Tu es prêt pour sauver le monde. Tu vas commencer tes aventures. Un nouveau dans le Hyrule. C'est pas normal que le temps. En tout cas, le temps pour que vous restaurez le monde. Je sais plus quoi. Sauf les insomniaires, les gens qui peuvent pas dormir.
pour que le monde pouvoir bah qui pouvaient prendre une pause tu sais je sais trop quoi puis qui peuvent pouvoir dormir. Imagine des années sans dormir. Ah, t'es allé voir l'hibou. Bah, je voulais juste monter Escape. Ça, j'ai essayé d'éviter de ne pas qu'il y ait un cinématique. Les auras, ils ont eu une stabilité sans eux autres. Après ce qui s'est passé, au King Rutelika, Abilo a été Doom, ça veut dire. Moody, ouais. Ok, bon. Derrière moi, c'est le script glyph. C'est un temple qu'il faut explorer. Juste explore-le. Il peut avoir des items. Mais c'est une malédiction. Il peut avoir des malédictions, des objets méchants. Des objets evil méchants. Bonne chance. Prendre ces informations pour t'aider. Et fais attention de Abelo les dangers. Utilise tes habilités. Yes, think. Très bien. On se voit un prochain. Explore partout. Et vite. Night. Je vais. Night. Et je vais partir, Madame Hero. Bon, là, j'ai quand même compris qu'est-ce qu'il disait, là, c'est quoi? Tu veux jouer? Ouais. Est-ce que t'avais ramassé d'autres affaires? Ou t'avais le bouclier, puis que j'ai ramassé les coffres dans la maison, là. Avec les coffres dans la maison. Les découps. Donc là, c'est un coup-là, je m'essaie, puis... Donc, c'est ça, je voulais comme... La poule qu'il faut récupérer, c'est pas la poule que la fille est en train de... Non, exact. C'est ça, je me disais. C'est cette poule-là? Ouais, cette poule-là. Quand Alice... D'accord. Après ça, on va l'assassiner pour se faire récupérer avec d'autres poules, puis voir si ça fait la même chose. Non, on va aller près de la maison après, quand t'as pas. Mais non. C'est bon. Ah oui, c'est cette poule-là pour pouvoir aller là. Ouais. Et voilà. Ouais. Next step. On niaise avec la poule. Mm-hmm. Oui, là, c'est sûr, ça. La poule, c'est ton jouet. La poule, c'est ton jouet. Ouais. Ouais. Le next step, il faut que j'aille par là-bas. Ah oui. Ouais. Puis là, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Ben ça passe. Ouais. Si voir, elle aime ça, les poules. Ben, normal. Elle a l'habitude avec les poules. Ouais. Let's go. Ça travaille sur que c'est un truc un peu anormal. Et là-dedans, je crois que vous savez ce que c'est. Il y a des sachettes. Un cœur. Un call de cœur. C'est le deuxième, hein? Ouais. Parfait. Puis, c'est écrit, c'est pas pareil. Les deux esprits unis sont de plénitude. Une paire plus qu'une pièce devrait amener un petit peu plus de la latitude. Blasting? Mm-hmm. Dernière attitude, ouais, quelque chose de moins. La poule est partie. Oh non, elle est là. Non. Ben, je pense que quand tu prends un item, le jeu est autour, il se met un peu. Inquiète pas. Mais allez ici. Mm-hmm. Next up, on va aller chercher la bouteille. Ah, oh, tabarnak. Il est juste en bas de l'esprit. Est-ce que poule. A flotté ici. Bon, tant mieux, je vais essayer de la récupérer. C'est toi qui t'as tombé, par contre. Oh, là, par contre, la poule est en haut. Qu'est-ce qu'il fout la fille là, quand il va en haut? Elle court après la poule. Ouais, ben elle a monté pis elle a comme tombé de la falaise. Là, je sais pas si je peux la récupérer, à moins qu'elle va me niaiser. Ah, non, mec, tu viens de juste de. Ah non, c'est bon, ça passe sans la poule. Ouais. Putain, mon tabarnak. Je pense qu'il est ouais, je vais t'avoir un maudit poule. La 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 la. Ça, c'est une toune de Russien, hein. C'est, ça s'appelle Lyric Stem of Sormovo, si je me trompe pas. Ah, ok. C'est une toune qui date des années. Peut-être Deuxième Guerre mondiale, si je me trompe pas.
Ah ouais, comment? Ouais. Ah, oh, fuck off. C'est là que je voulais aller. Tu recommences. Ça, ça fait chier. Attends, j'ai-tu une autre affaire faut que je fasse? Ok, je vais essayer quelque chose à proximité. Mm-hmm. À moins qu'il faut que j'aille l'autre bord pour parce que ça va. Ah, ok, ouais. Ah oui, je d'accord. Vais la laisser. Je vais la laisser par là, temporaire. Ah oui, il y avait pas un truc de... Ouais, mais il faut que je monte par là. Mm. Sinon, ça marchera pas si je me trompe pas, là. Ouais. Ah, oh, j'aurais dû amener ma poule. Ouais. Finalement, ça fait dur, là, mon affaire. Mm. C'est pas moi qui vais faire le time, j'étais juste à dire. C'est bon. Moi, je suis juste là pour récupérer les objets. Mm-hmm. Puis selon moi, ce que je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça qui est ça. Oh la pute. Bah, on va rester là. Ça marche pas, tabarnak. Je pense que c'est un peu haut pour sauter normal. Ouais. Il faut que j'aille au moins une petite place, mais le problème c'est. Ok, ouais. Je pense que je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'était le mauvais bord ou ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas été du bon bord, je pense. Mm. Fallait que j'amène genre ma poule ici. Ouais, genre tu peux baiser ouais. Ça. Tu lances la poule là, puis toi tu vas... Exactement, c'est ça que je m'en vais faire. Là. D'accord. Là, la poule est ici. Mm-hmm. Je cours pas après la fille. Mm-hmm. Ben après une autre fille. Ouais. C'est vrai ça. Gotta keep... Ben tu vas pouvoir quand même grimper dessus. Là. Ouais. Gotta sort the key. Je sais pas comment ils chantent les musiciens. Mais tu sais que dans... Dans Zelda Majora's Mask, là, ouais. C'est quand tu utilises, je sais plus quel masque, le masque des effroys, là. Ouais. Ben, si tu mets ça, les effroys vont danser. Puis il y en a un qui fait une danse de russe, justement. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment beau. Par contre, la poule est comme un peu buggée dans le coin. Ah, oh, le tabarnak. Tout pour faire chier, c'ti. Ouais. Ça commence les pickfels des poulets. Ouais, ça sera dans le Battlefield, ça. Ouais, d'accord, c'est avec les poulets. Ouais. On va l'avoir, c'est. Faut se mettre une confiance, on va l'avoir. Le petit poulet, il m'aura pas. Ouais. Attends ça. Bon, là, j'étais à la bonne position. Yep. Hey, tabarnak. Attention, le karma. Oh, fuck you. Oh, 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 cette chance que t'as eue. Ouais. Oh. Fuck you, tabarnak de poulet. Oh mon dieu. J'ai encore besoin de twist. Et voilà. Troisième pièce de cœur. Est-ce que c'est nouveau? Ouais. Ah, ça c'est nouveau. C'est trois. Deux côtés qui sont harmoniquement rencontrés, la balance de cette triade, je ne sais pas même pour que ça veut dire. Ah oui, de ce trio, hein, c'est ça. Une pièce de plus et vous êtes complet. Pardon. Ouais, justement. Et plus qu'on a de cœur, plus on est beaucoup plus amoureux de lui. Et ah, voilà. Elle, hein. Pas nous, mais elle. C'est normal. Plus de cœur, on est plus amoureux. Ouais. Tabarnak. Ah, oh, fuck. Voilà, on l'a. Ouais, là maintenant, la bouteille. Ouais, la bouteille est pas si difficile que ça. C'est juste faut que j'aille encore. Ouais, là, c'est juste que t'avais fait des petits fils tantôt. Ouais. Ah, oh, je vais parler à la fée pareil. Ah, vas-y. Moi, ouais. J'avais pas parlé parce que justement, j'attendais que. Ah, ouais. Je ne peux pas cacher ce coco. Hey, voilà. Pixie qui vole. Est-ce que tu peux m'aider? Ouch! Ok, monsieur
fée. Pas besoin. S, de... je crois que c'est Miss. Ouais, mais. Monsieur. Ben, monsieur, en tout cas. Pas besoin d'être rough. Ça, il parle de notre fée qui est un peu en mode de. Encore pire que ta elle de mode romance. Elle est douteuse. Cette fée-là est douteuse. J'ai l'impression que la fée vient de sortir d'un truc de truc d'alcool. Qui s'est mis à ami avec Conker. Là. Ouais. Ah ouais, tabarnak. Puis bien sûr, Malon, tout comme Link, font du vandalisme. Pas pour rien pourquoi ils sont ensemble, les deux. Ouais. Ouais. Ils s'entendent souvent bien. J'imagine, genre, ils vont cambrer en une bombe, là, on voit ça, les deux. Bonne idée d'une blague médiévale. Ouais, on plaît ça. Ouais. Mais bonne idée d'une tabarnak. Ça, avec, c'était débile, là, leur affaire. Décoller, si tu peux, besoin de tout. Ouais. Tu vas en faire des poules, c'est terminé. Et la bouteille, là. Ben ouais, c'est la bouteille. Ouais. C'est ça qui va se passer. La bouteille. Ouais. Faite avec de vitres fines. Puis très très bon. Un très bon cork là en tout cas. Voilà. Voilà. On s'en colle. Là on est dans le truc du Merlin, je crois. Moi. Ouais. Salut jeune fillette. Est-ce que tu as la fée magique près de toi? Tu dois être une bonne fillette. Ah, t'as une fille derrière. Ah, t'es une bonne fille. Ouais, une bonne fille. Est-ce que tu voudrais avoir la bouteille pour... De ce vieil homme? L'échelle est brisée, mais... Mais je pourrais te le tenir si tu vas en haut. Tu pourrais garder la bouteille complètement pour toi. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Quand j'étais jeune, je pouvais monter à partir du tour du village avec un coco. Allez, tes jeunes sont encore très fortes pour ça. Mais les poulets sont vicieux. Oh, et je suis aussi un astronome. Mon nom est Olm Ein. Olm Ein. Avec mon instrument, je peux prouver à Terre que la Terre, c'est un globe qui marche avec moi de temps en temps. Olm Ein. Sacré nom. C'est bizarre. En plus, il n'y a même pas de musique là. Elle est arrêtée à cause du coffre d'un des géants. Ah oui! Ah, bah, c'est un petit bug. Là. Pas grave. Là, il aurait juste allé à la même place encore. Mm-hmm. Mais avant, je vais peut-être juste faire. Le temps de rubis? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, comme les rubis maintenant, tu ne gagnes pas beaucoup. Faut pas que ça fasse trop, on va chuter puis tout autour de 99 rubis. Ah, oh, pardon. Pas besoin d'acheter de bouclier. Allez avec moi, calice. Puis, sais-tu que je te dis un autre truc? Mm-hmm. C'est que. Faut pas niaiser. La boule, il y a pas ça coûte. Ah, la petite boule. Ouais. Ouais, tu disais quoi? Je m'en rappelle plus. Oups, désolé. Pas grave. La boule nous a déconcentrés. Ouais, la petite poule. On pensait de finir avec lui, mais au final, il s'est fait de... Non. Encore la même chose qui va se passer sur le toit. Mm-hmm. Merci, madame Sa... Nol. Oh mon dieu. Ah, tabarnak. M'a l'avoir, la salope. Oh. Ah ouais, je peux grimper dans le mur comme Spider-Man. Spider-Man. Spider-Woman. Je peux monter à partir de là. Ah ouais. Trop cool. Trop cool, man. J'imagine, mais les mèmes de Toby, ça va remplacer par toute elle, ça date.
sais, les mêmes, tu m'as monté ton dos. Ah oh, ouais. Oui, oh, merci ouais. Madame Sagnol pour ton ocarina. C'est bien sûr, c'est une paire du musée d'ocarina. Madame Sagnol a eu cet item dans ses aventures. C'est ça. Ouais, ça parce que Sonia, c'est une aventurière que normalement, ça c'est sa chambre, ça. Puis ouais. C'est elle qui ressemble vaguement à Malone, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait un théorie comme quoi Sonia, c'est sa mère, en fait. Ouais. En quelque sorte, hein. Ouais. Mais je pense toujours que... Toujours plein de mystères pareil, hein. Mais je pense que le gars veut jouer un peu, pas trop en concentré là-dessus, mais sûrement un petit clin d'œil là-dessus de la mère de Malone, là. On a vu les autres jours. Je pense qu'il y avait des leggings pour masquer tout. Ouais, oups. Là, c'est juste pour faire réapparaître la musique. Voilà. Ouais. Ça va être beaucoup mieux, là. Bien sûr. On sort dans l'ambiance. Sans musique, c'est sans ambiance. Ouais. Et ça, je crois que c'est tous les trésors que Daniel avait ramassés. Je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Ça, dans le fond, Lady Sagnol avait ramassé l'épée. La Soul Edge. Référence de Soul Calibur. Ouais. Notice, cette épée a été volée par des vandaleurs. Des vandalistes. Oh, le sacré vandaliste. Ouais. Vénérable, les squelettes et ossements de Lady Julie Sagnol. Avant Jésus-Christ 1157 jusqu'à avant Jésus-Christ. Attends, c'est ça, avant Jésus-Christ. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Adé, c'est avant. Avant Jésus-Christ 1197. En vrai, Sagnol, c'est pas un prénom, mais c'est plutôt le nom de famille en fait. Ouais. Donc là, ça va être sûrement une des générations, en fait. Tu sais, ça va être son arrière-grand-mère. Peut-être. Julie Sagnol, ouais. Ouais. Mais dans le fond, son prénom, c'est Julie, si je me trompe pas. Mm-hmm. Partie de l'or du trésor de Roger que Lady Julie Sagnol doit le trouver. Tu sais, c'est juste que les restes. Pourquoi ils font les restes de Julie Sagnol? Je sais pas. C'était peut-être l'époque médiévale. Ils ouais. gardent certains souvenirs. Sûrement. La force de Sagnol. Avec ce bracelet, la force descendante de à propos de toi, les Gorons l'ont faite. Hmm. D'accord. Ouais, non, les Gorons, c'est eux qui ont fait la force. Le masque mayan ancien qui a été acquéré par Javier, le troubadour. Mm-hmm. Et ça, c'est l'ocarina de Sagnol, l'instrument musical qui a été fait par Tomoyo, la sorcière du chant, quelque chose de genre, sorcerer. Mm-hmm. En tout cas, qui a donné ça à Julie Sagnol. Que maintenant, on l'a en la position. Ouais. Parfait. Oui, qu'est-ce qu'il nous a aidé? Hey, cette place a été construite en hommage de Julie Sagnol, une aventureuse qui était Eleanor de Kitten, la cousine d'Eleanor de Kitten. D'accord. Après... oh, excusez-moi. Après s'être aventurée aux quatre coins de la Terre, elle a créé ce village. Lady Sagnol a été une femme brave, de sang noble et vertu. Mm-hmm. Malheureusement, elle a été gravement blessée durant l'invasion de vandalisme. Mm-hmm. Elle pratiquait la charité et s'était connue pour être le vraiment du vrai, quelque chose de genre mm-hmm. fair, qui était juste. D'accord. Une juste fille qui a fondé ce village
pour habiter à l'âge de 32 ans. Mm-hmm. Et peu importe les ordres de barbares n'ont pas été comment je peux dire civilisés. Gilles Sagnol a marié un troubadour, Javier, comme mentionné, qui venait toutes les nuits pour chanter pour elle, pour raconter des histoires épiques et réciter des poèmes. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais alors ils pouvaient s'aventurer dans toutes les... Comment je peux dire... les contrées. Les contrées ensemble. Javier est mort juste une semaine... une semaine après Julie d'une cause inconnue. Ceci sont ces reliques de ses aventures. La majorité ont été... volées par des vandales. Des vandales. Pour la plupart, elle a eu une père. Si je comprends, c'est son chou. Elle en a une père, mais je crois que c'est ce qu'elle souhaite. C'est ce qu'elle souhaiterait avoir, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Si tu trouves les pères, tu les gardes avec toi pour sauver Abello de ces monstres. Je crois personnellement que nous avons besoin d'une nuit de retour. Bon. Les pères sont quelque part dans le village. Allez, allons les trouver, fillette brave. On sait où sont les pères. Donc, après ça, quand j'avais fait ce type de théorie-là, après ça, ben là, la théorie est un peu cassée, c'est pas sa mère, là. Julie Tagnol. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais eu d'enfant, de toute façon. Ouais. Donc, ça casse toute la théorie. Je peux pas dire, ça va être sa grand-mère ou quoi, ça. Mais non. Ben, peut-être. Peut-être tante. Ouais, peut-être. Ben, en tout cas, il y a quand même un bain ressemblant. Ouais. Et voilà. Le pire dans tout ça, c'est qu'en quelque sorte, tu prends l'héritage de Sagnol, donc... On s'en galisse. C'est ça. Puis sais-tu qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va aller au cimetière? Non. Okay. Il s'est rien passé. Merci, bonsoir. Vandalisme. Vandalisme de Pancarte. C'est un méchant vandaliste, t'es en level 100. Hein? Ouais. Bon, je pense qu'on a tout ramassé ce que j'ai pensé. Mm-hmm. Puis anyway, à moins que j'aie besoin d'autre chose au magasin, mais après ça, je vais te laisser faire le temps. Parfait. Le magasin, tu sais c'est quoi? Ben oui, c'est l'endroit pour acheter. C'est ça, le magasin. J'allais dire quoi, que le magasin, ça sert à... faire de la marde. À faire la marde. Aussi, ouais. Ça, ouais, tu peux faire ça. Je sais pas, en fait, peut-être. Et voilà. Ouais, comme tu dis, t'as pas encore fini le jeu, parce que tu disais que... Mais je suis quand même bien avancé. Fait que ouais, bien avancé, mais... Je comprends quand même très bien le concept, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on aurait de besoin? Nous autres, on peut pas utiliser. On n'a pas un sac de bombes, là. Non, on peut pas. Pour ça, on peut pas. Pour ça, on peut. Ouais. Bon. Fait que ce qui va se passer, c'est que tu vas y aller dans le temple. Parfait. Mais le temple, il est pas à l'extérieur, il est... Non, je sais, c'est là, en fait. Exactement ici. Là. C'est-à-dire le tombeau de Sagnol. Ben, justement. Ah, je pensais que t'aurais pu sauter, ouais, ça aurait été parfait, man. Ouais. Regarde, on peut pas être parfait mais dans la vie. Parfaitement réussi à ramasser la poule, par contre. Ouais, ça c'est...
un autre spin, puis t'es en business. Ça va. Ah, oh, ça, j'ai fait rater. M'en colles-tu de l'héritage du monde dans Zelda? Tu pognes ben, tout. Bah ouais, on est là pour. Tu pognes tout, puis merci, bonsoir. C'est ça. Bon, il y a deux fêtes. On va s'armer des fêtes, peut-être de Décunotes. Je peux tuer la pancarte? Ouais, c'est toujours pas. C'est la tombe de Sagnol. S'il vous plaît, respectez les morts. Notice. Au nombre d'attentes de violations, les restes de Lady Sagnol ne sont plus dans cette tombe. Mm. Tu sais, ils sont où? Ouais, ils sont où qu'on a vu dans le musée. Si tu veux détruire leur pancarte après tout, après. Ah, tu peux comme tu veux. Oh yeah. Voilà. D'accord, Alice. Mm. Let's go. Écoute, c'est qu'on a quand même toutes limité que customisé. Hein. Je tiens juste à dire une affaire. Tu vas avoir besoin des Décunotes. C'est bon. T'auras pas le choix. Puis save si tu veux aussi après. Hein. Bon. Au cas où, si jamais ça crache. Yes, sir. Pardon, tout ça, c'est aussi en live, donc voilà. Ok. Il reste un dernier. Il est toujours là. Parfait. C'est bon. Donc, c'était ça qu'il fallait que j'ai besoin. Ah, ok. Regarde, s'il fonctionne, tant mieux. Ouais. Détruit tout, on s'en calisse. Aucun respect des démons. Aucun respect. Ouais. Y'a rien, ok. Mais par contre, c'est une toune de métal, ça. La version médiévale de ça, là. Ok. Ça s'appelle... Le groupe, c'est Summonings. Ça s'appelle Long Lost Where Part Where Goes. Okay. Ça veut dire une longue perte où les chemins s'en vont. Quelque chose de même. D'accord. Mmh. Bon, Lightning! Ah, ok. Where's long lost, where a part way goes? Mais t'as assez débile cette toune là. Bon, après ça, moi, je connais pas trop les tunes de musique. Hein. Non, je sais. Mais t'as des fois, t'as certaines tunes qui est en lien avec Mario, mais ça, c'est en lien avec un artiste. Ouais, va vers le bord de la porte. Continue ouais. Une petite shot, puis... Fais juste une petite shot, puis tu vas être en business. Mm-hmm. Ouais, comme ça, ça va être parfait. Comme ça? Ouais. Ben lui, il va falloir que t'avances, par contre. Ouais. Ou le reculer. Ouais. Donc, t'es en business. Mm-hmm. Alright. Ça va être beau. C'est bon, parfait. Qu'est-ce que c'est? Ah! Un petit affaire. Ouais. Ben, elle est forte, elle est capable de prendre deux blocs. Ok. C'est vrai, elle est beaucoup plus forte que Link. Ouais. Ben, c'est à cause de McGuy. Ah oui, c'est vrai, elle s'est fait entraîner par McGuy. Ouais. C'est vrai, ça a été vu au début. Ouais. McGuy pis Link, c'est ça. Mm-hmm. Je pensais pas que c'était la. Ils sont bracelés, hein, que tu vis, hein, ils sont bracelés. Ouais. Mais justement, on va aller chercher ces fameux bracelets-là. Qu'elle va être encore deux fois plus forte qu'avant. Ouais. Elle va pouvoir affronter Son Goku. Son Goku. Imagine, grâce à ce bracelet, elle va devenir Super Saiyan. Yes, sir. Ah, Non, ça va être l'autre porte, en fait. Ouais. Attends. T'as activé la switch, c'est ça? Ouais, oui. C'est on sait que c'était sur l'autre. Ouais. Là, les restes sont plus là à la tombe de Sagnol, par contre. Ouais, ça, c'est sûr. Où était-il? Ouais. Bah, ça marche pas, finalement, avec les Décunotes. Ouais, je pensais que... Ouais! Oh!
Ouais, c'est ça. C'est un peu la panique. Ouais, c'est la panique. Mais même avec les spin attacks, tu peux marcher aussi. Hein. Non, non, oh, non, baisse-moi pas. Baisse-moi pas. Il t'a violé, dirait. Ah, ben là, c'est littéralement ça. Tabarnak. T'aurais pu. Ça aurait J'aurais pu me faire assez trop baiser, là. C'est ça. Désolé pour le petit bris. Mais bon. Fait qu'au final, Lady Sagnol avait planifié de voler ses. De violer ses Ouais, les futurs. Ouais, les futures générations, Calice. Avec un zombie. Mm-hmm. Très malin. Très malin. Ouais. On attend juste le bout du cœur, mais. Tu vois, elle essaie de se battre de ce qui s'est passé, ouais. Un zombie parasite. Okay. Tombe pas en bas. Ça serait fail. Mmh. Ouais. T'as pas des cœurs à proximité. Ouais. Non, c'est pas grave, là, si tu vas pas dans le ciel. Voilà. On va renoncer là pour plus entendre le petit bruit. Là. À moins que tu veux t'acheter un cœur dans le magasin, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. Pourquoi acheter des cœurs? Je veux-tu, moi, je m'en crie. Ouais. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'il faut aller au ciel. On va au paradis. Exactement. Le paradis. Attends, y a pas. On va juste trouver peut-être qu'il y a un cœur là. Radin. Ça va plutôt être le chemin de l'immortalité ou presque. Ouais. Ça ouais, avec. Okay. Je sais que je crois qu'il y a un corps de cœur. Inti Illimani, si je me trompe pas, comme le nom de la toune. Mais... D'accord. Ça, c'est d'autres artistes, mais je sais plus c'était quoi, mais. Elle est bonne en crise, celle-là aussi. Oh, non, 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 non. Mmh. Aïe. You are dead. Il va peut-être pas vraiment te donner de cœur, je pense. Elle est bombe, par contre, ça va t'aider. Puis aussi, utilise la bombe en arrière de toi. Où est-ce qu'il y a les araignées? D'accord. Mais en, ah, arrière, bah, yes. En arrière de toi. Il y a des araignées là-bas. Ok. Bah, attends, ben moi je me souviens que moi que je l'ai fait là. C'est ça. Attends. Ah, ça marche pas. Non, pitch des bombes, ça va marcher cette fois. Ok. Fais juste peut-être pas trop t'approcher. Moi mes souvenirs. Oh non. Je vais lancer, mais sauf que. Ouais, mais faut que tu avances pour le lancer. Non, c'est ça. Allez, malon, t'es capable, allez, va dans sauver ton link. Bon, c'est pas grave. Monte en haut. Ouais, il y a un corps de cœur. Hey. Non. Ah, c'est que tu l'as doré. Exactement. T'as aidé, là, t'as tout compris. Ouais. Mais en fait, c'est un petit là. Approche pas de ça, par contre. Ça va pas le faire, je pense. Moi, par contre, je vais le faire. Oh, t'inquiète, il est attiré par. Yes. J'aime ça. Je me fais essayer de prendre des petits bibites. Ouais. Ok. T'es capable. On va pas pogner de game over direct, à moins que. Ah ben là. Ben ouais, c'est vrai. En bas, il y a même des herbes illimitées. Des quoi? Des herbes illimitées. Ah ouais? Il veut peut-être t'en donner, mais je sais pas. Est-ce que tu peux passer par là pareil? Là, bon, let's go. Pas dans la chute, excuse. Mais c'est quoi en arrière? Je suis vérifié en arrière. Vérifie par là. Ouais, il y a un chemin, il y a un chemin. Non. Ah ouais? Mais faudrait avoir les bottes de plomb, en fait. Ok, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Mm. Ouais, ben attends, il y a eux. Je m'en calais, c'est les rubis. Tabarnak. Il te donne des cœurs quand t'as pas besoin de cœurs, mais quand t'as besoin des cœurs, il te donne des rubis. C'est le fun, hein? Et des potions quand t'as le double magie. Je vais repicher une autre bombe, mon père. Ouais. T'as mis prêt, puis tu décalisses.
Ok, nice. Et voilà. C'est quoi l'autre bombe pour qui? Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ici. Ah, ok. Nécessaire. Pour... Ah ouais. Ben, c'est... pour... remonter, ouais. Ouais. Enfin. Allez, une chance. Essaye de pas tomber, sinon on est foutu. Ouais, c'est ça. Moi, je vais aller chercher ton cœur au pire. Après. Mm-hmm. Sinon, on prend la bombe puis exécute. Ouh! Ben oui, vas-y. Vas-y, fond. Ah! Bah, regarde, je veux dire, on peut tout tu l'es, au tout. Pire. Ouais, mais lui. Il est juste con. C'est vrai. Parce qu'il peut plus aller dans son truc en haut. Au moins, il est mort. Ok. Tout ça pour juste pour créer le passage secret. Ouais, mais des coalices de deux. Et voilà. Les deux. Nice. On saute par-dessus ça. Voilà. Un autre shot. J'arrête oh, c'est que t'as été mardeux, mais il cite ses chiens. Ok, c'est bon. T'inquiète. Je sais que lui, il était là. Explose là, ouais. Mais je sais, il est où le sculpture, anyways. Ça, c'est pour la note de musique. Alors, va-t'en par là. Il est juste en bas de ça, là. Il est juste en bas de cette plateforme. Mais attention à lui, par contre. Fais juste le bout. Mais finalement, tu l'as tué. Tant qu'il est tombé à la tête, ça va. Il est là, ton sculptuma, il est juste en dessous. En dessous de... Ah oui, 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 il est en dessous, moi je l'ai vu. Fais attention quand tu vas sauter là. À moins que tu veux juste te dropper. Ouais, 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 ouais. Avance pas trop vite. Down. Et voilà. Tout fait, oui. Et voilà. Je peux pas, ouais, ça va être. Bah, pas grave, on peut remonter comme ça. Ok. Et là, il y a le cœur. J'ai un cœur de cœur, ouais. On va aller chercher. Tu me souviens que j'avais galéré à pogner le cœur de cœur, je l'avais réussi. Ouais, mais c'est surtout, faut que tu vises le mur un peu. Pis... Ouais. Mais. Il faut que tu spins. Ah, ouais. La 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 la. Bam 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 bam. Moi, elle m'énerve pas en toute la musique, même si je galérerais des heures dans quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais c'est vrai, la musique, là, tu sais, quand t'es allé à la tombe de Sagnol, mm-hmm. c'est aussi la toune de la pêche. Ah ouais? Ouais. Mm. Ah, bah, j'ai eu ça, what's up? Je m'en crisse ben raide de la pêche. Ah, bah. Dans... Ah! Quand un vrai amour est complet, la joie descend entre Link et Malone pour toujours en tant qu'unique. Ouais. Ah voilà, là on est à 4 cœurs, donc du coup Malone est encore plus amoureuse de Link. Ouais. Ça va continuer après. Bah oui. C'est sûr. Et ça fait que bah ça donne plus de courage aussi pour elle aussi de continuer l'aventure. C'est ça. Elle devient plus forte. En pensant en ligne. Il y a un autre sculptement plus loin. Ouais, ben avant. Non, pas là. Mais vas-y, pareil. Vas-y, ouais, pareil. On va tout de suite déjà commencer à faire ça. C'est une note de musique qu'on va apprendre. Ouais. Knight, regarde. Il y a une pierre avec des inscriptions. Je crois que je vais avoir quelques informations utiles. Cette cave est dégueulasse, c'est noir, pis... Allez, on quitte cette place. Pis justement, ça me donne la chair de poule. La chair de poule, oublie les pierres. Oui. La dernière chanson du rempart. Je comprends ces vieilles inscriptions. C'est de Lilian Vieux. J'ai étudié ça avec Link. Laisse-moi traduire.
Cette mélodie a été composée pour invoquer notre dernière défense contre les ennemis. Une rempart finale de blocs est censée devenir et protéger nos vies. Le bloc peut disparaître si la musique le veut. Le jouer, je vais le jouer. Apprendre des chansons me rappelle de mon Link. De plein de plaisantes mémoires. Puis les musiques sont que ça. Ah, great time loss. Il y a... Bon, attends, c'est en fond, c'est... Bon, assez perdu de temps, la fillette. Il y a un temple qui nous attend. Arrête de perdre ton temps avec de l'utopique de romantisme et allons-y, peu importe ce qu'il y en est. Laisse-moi rêver de Link. C'est ça. Lâche-moi, toi. Tu vois rien, tu... Tu vois rien. Ici, c'est comme la salle du... La salle des rubis, c'est la salle de la richesse. Ouais, c'est ce que je disais. Comme si c'était précédemment dans la salle du soldat, là. Ouais. Sauf que là, c'est d'ailleurs. Ben là, c'est le moment de faire le petit côté farming, là. Ouais, petit farming. On n'aura pas énormément de gros farming pour l'instant à cause que... Bon, on va être au maximum de toute façon. C'est ça. Ou presque. Mais ça fait un job. Mais on profite, mais on va pas faire genre un aller-retour. Non. Déjà, rien de lui. Ah oui. Ça, c'est le fun. Mais depuis, je suis quand même pas pire sur le snipe avec l'arc à flèche. Ah ouais? Je suis devenu de plus en plus mieux, genre en attaquant des chauves-souris à distance, là, qui aillent du feu ou pas. Là. Ouais. C'est juste qu'il faut que je prenne mon temps pour l'avoir. C'est sûr. C'est la raison aussi, c'est parce que j'ai décidé de m'entraîner aux flèches avec le truc de la fête foraine. Ouais, ok. Ouais, amène-toi l'ocarina, t'auras pas le choix. Je sais, parce que en gros, qu'on a appris la chanson, c'est le truc du temps, là. Ben, pour faire appel du temps. Bon, ok, là, c'est encore plus loin que ce temps. Ah oui, moi, j'ai voulu essayer de grimper comme ça, ici. Ah ouais? En faisant ça. Va pas tout de suite, là. Il y a un Sculptima, genre, plus loin. Plus loin, juste ici, là. Un peu petit. Dans là? Non. Lui? Non, le truc. Attends. Va à ta droite. Lui? Non, pas lui. Il est d'une plateforme, une petite affaire. Ça? Plus bas. Ouais, mais juste à côté de ça, tu vas checker à ta droite. Ouais, je l'entends. Faut juste que tu sautes d'une plateforme précise, puis c'est celle-là. Cette plateforme-là, là, que tu vois, le petit coin, là? Exactement. Oh. Ok. Mais prends le temps de viser. Hein, ouais. Ok, quand t'es prêt. Et voilà. Fesse dessus. Nice, one shot. Nice. Mais je pense que je l'avais réussi, en fait. Alright, montre-moi ce que tu sais faire. Bah, tomber comme une. Voilà. J'ai été prouvé comment tomber en bas. Oh non. Ok, on va prendre le hack aussi. Bravo. J'ai l'impression que j'ai fait vraiment exprès. Bravo, Malone. Ah, en plus, j'ai des mis repas, c'est vrai. Mais là, t'as 4 coeurs, là. Tu devrais pas chialer trop. Bah oui. Au moins, t'as le Sculptima. On est correct pour le deuxième temple. Ben, premier vrai temple. Oh, tabarnak! Ça aurait pu être grave. Ouais. Recule. Prends-le. Je vais te montrer quelque chose avant de commencer le temple. Vas-y. Okay. Pas là. Là-bas. Ok.
avant, il va falloir que tu exécutes la chanson à telle place, comme avant d'entrer au temple. Oui, mais il faut que tu rentres à la même place parce que tu rentres dans le temple, mais il faut que tu ailles à ta droite. Ouais. Okay. Jusqu'au bloc. Ah ouais, c'est vrai. Pour activer une switch. Ouais. C'est bon. Oui, ça, je l'ai fait. C'est ça qui est fun parce que, tu sais, c'est pas toutes les mêmes affaires que tu débloques. C'est quoi la chanson? Moi, il y a certaines chansons que je connais un peu par cœur, là, c'est juste ça. Mm. Ok. La 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 la. Ah, ok. Ok, là. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ok. Il marche encore, inquiète-toi pas. La 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 la. Voilà. Oh yeah. Malon, elle sait chanter, elle sait faire de l'ocarina. C'est parfait. Mm. T'es une vraie artiste dans ce domaine. Elle chante déjà le fait de l'épona, mais avec une voix mélodique, donc. C'est une vraie. C'est une vraie artiste. Quand Link sait pas chanter, mais. Mais juste, il sait gueuler. Il sait. Ah! Il sait faire des sons. Ça, c'est bon pour de la percussion. Ok. Mais là, je vais te montrer une affaire, un petit secret que j'ai découvert peu après. Tu t'en vas en arrière du temple. Mais là, je vais juste essayer de me réconcilier avec ça. Qu'il y avait un truc en arrière. Ouais. Puis là, je m'en vais pogner mon bottle. Y'a pas un autre. Non, plus de la merde. Je m'en vais là, j'attaque ça. Puis je prends la fin. Ah, il y avait une fin. Ça va vraiment être utile. Il dit que Nid est jaloux. Ouais, Nid est jaloux. Tabarnak! C'est moi ta fille, Esti. T'es censé m'écouter, toi, Calis. Ouais, ben, une fille rose, beaucoup plus gentille que Nid. Ouais. Bon. Bien sûr, il faut que je mette ça parce que je veux pas utiliser ça. Tu comprends? Pis ça, c'est quoi? Pourquoi cette bouteille il est dans mes affaires? Je ne me rappelle pas d'avoir cette bouteille. C'est pourtant pas si gros. Mon Dieu, je me souviens pas parce que j'avais ça tantôt, mais j'ai pas checké. Ma bouteille s'est brisée quand j'ai tombé du ravin avant de venir au village Sagnol. C'est définitivement pas la mienne. Mm-hmm. Il y a un message écrit dans le brouillon avec de l'encre rouge. Ouais. Je pense que c'est de l'encre. Le texte, il est un peu en vieux langage. Virtias num corpirit putres piscis fada et nuctura ferrisa sunt sed amor. Vincit omnia tune sed malice contra unditio ito. Oh non, tu viens d'évoquer le Satan. Ouais, oh non, ça. Il se passe un truc. On finira la vidéo, puis on sort plus là. Ouais, c'est ça. Je ferais mieux de continuer de penser à propos de ça en secret. Je suis content que je n'ai pas prononcé ces mots hors de moi. C'était quand même bizarre. Si ça avait l'air un pour appeler un démon ou une idée, disons. Ouais. C'est fou pareil. Mm. Bon, premièrement, ben là, je vais continuer un peu. Mm-hmm. Ouais, j'ajoute une passion, on fait chaque partie. T'as pas ça, tu vois? Ben, il est mort direct. Hein. Mm. Avec moi, c'est la mort automatique. Ok. Pardon? Ah, ben non, je peux aller par là. Bien sûr, faut que j'aille par là. On continue par là. On continue par là. Je te tue. Merci, bonsoir. On est assis, ça. Yes, sir.
J'aime par où maintenant là? Ok, lui. Bah, obligé de cette porte là. Ouais, c'est good. Ça nous tue pas. On va aller par là. Merci, bonsoir. Ok. Ah ouais, c'est que des merdiers. Hey, tabarnak. Là, ils sont trois. Vraie pute. Ouais. C'est pas, je pouvais pas rien faire à partir de là. À part si t'as une bombe. Ouais. Explosion! Ouais, l'or c'est de l'explosion. En fait, ça. Comme des daras disaient. Allez, on monte ici. Bien sûr, je peux pas aller l'autre bord, Calice. La 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 la. Je connais pas le soundtrack de celle de Bart. D'accord, mais fallait... je suppose que ça va être promené dans une autre musique plus ou moins populaire. Plus ou moins, comme tu le dis. Là, on va en petit écran. Ok. Faut que j'aille par là. C'est vrai. Ah, j'ai eu en rond en grand écran. Ah, merci beaucoup. J'ai pété parce qu'il y avait le truc. C'est good. Oh yeah, la toilette remonte. Bon, ouais. C'était probablement le deluxe ancien de se faire nettoyer par de la roche. Ouais. Je sais pas. Moi, c'était de même que j'appelais. Je me disais que c'était dans le temps. Là, à cause du son. C'est pour ça. Je sais pas, je vois pas. J'ai réalisé que. Que ça monte de ce dessin, ça a l'air un gros crotte en fait. Une grosse crotte. Bah, tu vois la bombe depuis longtemps ça. Ben ouais, il faut que ça monte. Ah, d'accord, j'ai pas vu la plateforme. Et voilà. Puis je décide voilà, de me mettre dans la garde. Tu veux une peine de demi-coeur, c'est pas trop grave. On s'en calisse. Yes. Je vous attends. Je m'en calisse. Je te fais chier. C'est ça qui est ça. Toi, je te vole également. Oh. Ah ouais. On sait qu'ils vont mourir. Gros loser. Il a trop peur. Ah, y'a vent! Oh, ouais, ça y est, y'a pas. Ah, gros nul. Voilà. Voilà. Nulos. Les ennemis, ça dit que c'est tough, mais finalement, c'est tout le contraire. Où c'est que ça mène, ça? Ah ah! Oh, y'a le bas, ça veut se créer la plateforme. Ah ah! Ben oui, Spider-Man. Ok. Voilà. Je reviens, je vais juste aller aux toilettes. Ah ouais. Ouais. Pas de problème. Je te laisse à faire le commentary. Yes, sir. Fait que ce qui va se passer, c'est que là. Ouais, ouais, c'est une clé petite. Ouais. Ah ouais, la clé petite. Ok, fait que là, next. Anyway, c'est sûr que ça va se passer des fois. Que ça va être. Comment expliquer ça? J'ai-tu une clé? Ou ça a été. De la dope? Je sais même pas ça. Pourtant, il me l'aurait indiqué. Tourner par là-bas, là, parce que... Oh non, c'est vrai, j'ai la clé. C'est moi qui est attardé, désolé. Fait que...
qui va se passer, on va ouvrir la porte. On va ouvrir la porte. Toi, meurs. Trop. Putain, toi. Tu crèves. Oups. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu de la merde. Voilà. Par où que je passe? Ça, je peux pas. Ok, en haut, il y a sûrement de quoi. Bon. Bien sûr, il y a des ennemis à proximité. Qu'est-ce que ça donne ici? Rien pantoute. Malgré que j'aurais peut-être pas dû fesser là-dessus, mais pas grave. Ça va pas me tuer. Ok. Donc là, on est ici. Tu peux pas porter vers la porte d'eau qui avait la clé? Bah ouais. Au début, j'avais la tata, je pensais que je l'avais pas faite, là, mais... Oh? Non, mais c'est bon. Ok, là, c'est le bout avec... faut que tu montes en haut. Bon, ça, c'est... Non, faut attendre qu'il tourne, sinon... Oublie ça. Moi, j'ai un peu fait de la n'importe quoi, là. La musique est arrêtée, c'est parce qu'il y a un ennemi. Bon. Voilà, là, c'est un peu mieux. Ouais. Oh, ça, c'est un peu normal que j'ai les musiques break là. Ben là, c'est juste l'ennemi qui a à, qui sont à proximité. Ouais. Ah ok, ouais. Oups. Qu'est-ce que... Ben là, j'ai encore la moumoute. Ah ok, la lettre. Oh, ta gueule. Ah, le vite, tu peux pas passer. Oh. Okay, c'est bon. C'est fait, c'est bon. Lui, par contre, là, parce qu'il m'énerve un peu trop, parce que j'ai toujours tendance à appuyer sur le C en bas. Mm-hmm. Fait que lui, mais le bâton, le bâton du haut? Oh, je vais changer de place, lui. Ok. Voilà, beaucoup mieux de même. Ben, j'ai toujours tendance à faire le bas après. Ouais. Voilà. Ben, c'est vrai, parce que l'épée qu'on a, c'est la Master Sword, mais c'est juste qu'il a été changé de texture. Ouais. Normal qu'on tue one shot. C'est ça. C'est ça, c'est pas le même épée ou bouclier. Là. Non, non, c'est sûr. Peut-être une dérivation. Pour un peu à la Mirror Shin ou je sais pas trop. Tabarnak. Mais l'araignée, je peux pas ramasser, il est dans les toiles d'araignée. Ok. Juste pour dire. Et t'as besoin des flèches de feu pour ça? Exactement. Bon. Et le corps de cœur, celui-là, je pense que tu peux ramasser, hein. Je m'en vais où là? Je sais pas. Bah ben, là, il faut que j'aille dans une autre porte, je pense. J'étais parti où tout à l'heure? Je pense que c'était ici. Non. Ah non. Non. Bah, c'est avec lui alors. Ouais. Une petite clique. Je veux pas aller sur la clé tout de suite parce qu'il y a de quoi qu'il faut que j'aille chercher en haut. D'accord. Ou à moins qu'il faut que j'aille l'autre bord pour aller en haut. Ici. Non, c'est pas ça. Fait... On met un petit bout là. Ok, faut que j'aille par là-bas. Let's go. Faut que je monte. Fuck you, je m'en fous. C'est pas la même place, mais je pense que c'est là où est-ce que ça va mener. Ben oui, en ligne droite.
Ben oui. Poule mouillaise. Oh, pardon. M'a donné un cœur. Ce temple-là, il est un peu complexe, par contre. Ah ben ça, c'est un peu vrai. Faut que j'amène la bombe ici. Ah oui. Pas évident. J'ai juste un pour faire ça. Oh tabarnak, one shot. Tu l'as eu one shot, moi ça m'a pris du temps à réussir. Moi aussi ça m'a pris du temps à Chris. Mais one shot, là je suis comme, je peux être fier. Ouais. Disons que ça a gagné beaucoup de temps. Solide. Là on est à l'étage supérieur. Moi je veux aller par où? Pas par là. Il faut que j'aille par l'autre bord parce qu'il y a de quoi qu'il faut que j'aille chercher. D'accord. On fait la collection après tout. Ah ouais? Pour l'instant. D'un coup qu'on a 30 queues qu'on est correct. Ouais. Là ça fait 7. Là pour l'instant il va à fond là avec les sculptures pis tout là. C'est sûr. Ben pour l'instant, on a remonté ceux qui sont voyants, qui sont quand même accessibles. Ben oui. Il y a juste quelques-uns qui on a besoin de beaucoup plus de dextérité. Ouais. Et voilà. Mais c'est quand même cool de pouvoir au moins remonter plusieurs sans avoir les objets qu'il faut. Quand tu te rappelles de ce que tu fais là, ouais. C'est ça à coche. En plus, parce que tu... Jesus. C'est pas la première fois que tu joues, donc... Ben c'est ça. Tu sais... T'as comme un chemin prédéfini, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est, moi, c'est comme ça avec Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. C'est que j'ai un chemin prédéfini parce que je sais à quel temps je vais remonter pour un chemin optimal, en fait. Ouais. C'est juste à avoir mon esprit de Banjo-Kazooie, c'est le cas. Banjo-Tooie, un peu moins parce que c'est un peu gauche-droite qu'il faut que t'ailles, mais... Ouais. Bon, c'est autre chose. Et on a l'arc des fées. L'arc des fées. Ouais. Ça a été donné par la légende... La grande fée. Mm-hmm. Fait que let's go. Yeah! Mais là, je te gâche qu'il va falloir que j'aille plus bas. Mm-hmm. Ouais, d'ailleurs, il y a l'œil là. Justement, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour débloquer la porte, pour pouvoir continuer. Ouais. Je vais aller par là direct. Ouais. What? T'as vite volé. Ouais. Ok. Let's go! Tabarnak. Tu vas me laisser y aller, esti. Merci, bonsoir. Là, on est en haut. De devoir, on ne doit pas tomber. Ouais. Et oublie pas, il y a un corps de cœur aussi. Puis un sculpture doré aussi. Mon temps. Fuck. C'est juste parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est la. Oh, tabarnak. Oh. Mais j'ai pas perdu de vie. Non. Je pense que quand tu as fait la roula, il y a eu un moment où tu recevais pas de dégâts. Ok, ouais. T'es comme invincible pour un certain temps. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Ah, c'est les gens de Ganondorf. Ouais. Là, il faut que je sois au centre. Voilà. T'inquiète, je me check. Vaut mieux avoir de faire ça prudence et de pas courir. Ben, moi, je cours si je suis en ligne droite. Tu comprends? Ouais. Nice. Et voilà. Parfait. N'arrête pas le progrès. Yes! Motivation. Là, c'est sûr et certain que c'est la même affaire qui serait apparue. Ouais, là, c'est normal. Là, c'est le premier cord de cœur pour avoir le cinquième. Ouais. Fait que là. Ça, c'était merveilleux. Ouais. Comme atterrissage.
Ah oui, puis on a 25 et pas 30. Chris, faut que j'aille là. Et voilà. Non, on va par là, c'est... On refait le même chemin. Trop regarde. Je pense que mes parents sont allés dormir. Fait que... Bon, on va pas aller en haut. Non, c'est ça. Pas de tabarnak. Ben, c'est ça, la roulade invincible. Là, je disais bien. Donc là, je te gage. Derrière toi? Non, c'est ça, c'était juste pour l'arc. Mm-hmm. Ouais. Mais l'arc peut exploser la bombe, ou quoi? Exactement. Moi, essayer de la faire très très loin. Ou même juste ici. Mmh. Voir si. Tant mieux. Et que, tant qu'ils viennent pas me faire chier. Là. Mmh. Mais bon, ça va être bon. Oh ah. Yeah. Ah, one shot. Tu sais, les enchaînements comme ça, ça donne une satisfaction. Là. Ouais, c'est bien. Pourquoi c'est vraiment cool de voir ça. Ouais. J'avoue, man. C'est comme les dominos qui tombent, en fait. L'un par l'autre, là, c'est... Ok, là, ici, ça va être un peu corsé. Hmm. Ok. Lui, il fallait que je le fasse, j'avais pas le choix, anyway. En tout cas, j'aime bien quand même le design de ces tombes. Ça fait un peu vaguement penser au château décadent, en quelque sorte. Ouais. Ouais. Pas quand même. Mais avec un mélange du temple de la forêt. Aussi à la fois. Mais ici, malheureusement, je suis obligé de glitcher. Pas tout de suite, là, mais. Ah ouais? Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Parce que j'ai essayé à maintes reprises d'envoyer une petite bombe ici, là, là-bas, là. Mm-hmm. Bon, toi, tu m'envoies chier. À m'interrompre devant mes discours, mon esti. Bon. Parce que je peux pas passer par l'autre bord. Ouais. Oh! Un coup de flèche, on n'en parle plus. Dame, mon tabarnak! Ouais, on peut utiliser l'ac aussi sur les ennemis de proche. Bon, ce qu'il faut que je fasse. Tu vas essayer de tuer le... À peine. Ouais, ok. Je vais y aller avec le Dekunot. De même. Voilà. Puis monter de même. Ah, bah c'est nice, hein. Ça évite de faire le truc de la bombe, ce qui peut être chiant c'est à faire. C'est ça. Puis je pense qu'il l'a un peu mal fait, pour être honnête, là. Normalement, la roche est comme un peu sur la... Elle est trop loin. Côté gauche, en fait. Yeah, je vais te le montrer, par exemple. Bon, là, je me suis... Monté. Mange la merde. Bon, après ça, les agrooms sont jamais parfaits, on dit. Ouais, c'est sûr. Ok. Là, on est rendu ici. Check, je vais te prendre une bombe par exemple. Mm-hmm. Là, je m'en vais là. Je m'en vais là, mais je peux pas aller là. Tu comprends? Ah! Le gars a pas pensé à ça. Ouais. Ok, c'est une erreur de livre design en fait. Ouais. Ouais, Don Camilo, il a un petit peu mal jugé cette affaire-là. Mais est-ce qu'il a fait esprit? Pour mettre la roche un peu mal placée, pour que... C'est bon. J'en ai aucune idée. Ouais. En fait, je pense que... Peut-être la technique comme tu as fait avec la poule, c'est-à-dire... Tu sautes je sais pas, tu fais tomber la bombe, mais la bombe va être sur le rebord. En fait, tu tiens, je sais pas. Ouais. C'est bon. Juste comme ça, un coup. De quoi tu parles? Genre quand tu... Tu sautes avec la bombe, puis genre tu lâches la bombe pour que ton ballon tienne sur le rebord, pour que la bombe tombe sur le rebord aussi. Ouais, mais c'est comme je te... Ouais, faisons ça comme ça. C'est ça.
Okay. Ouais, c'est ça. En gros, faut que tu lances la bombe. Puis après ça, faut que tu récupères. Ouais, c'est ça. De cet endroit comme ça. Mais oublie mais, ça. Mais oublie ça parce que le temps de l'explosion. À moins d'avoir un sac de bombes. Peut-être. Non, j'allais dire peut-être que c'est ça qu'il voulait, mais il a placé, il a mis une bombe là. Donc normalement, c'est. Ça a été mal jugé. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est un petit oubli de les design. Ouais. Bon, en même temps, il est tout seul à faire le aggro. Bah, tout seul. Je suis tombé, il y a peut-être quelques personnes, mais. Ah, ce bout-là, il me fait chier un peu. En gros, faut que tu. Ah ouais, faut que tu les tues les. Ce bout-là, il me fait chier un peu, je te le dis. Ouais. Puis il te troll en faisant ça. Ouais, c'est ça. Bon, tu sais, j'ai. J'ai fait de galérer là-dessus. Calice. Mais ça ressemble à un mini-jeu, ça. Un mini-jeu, ouais. En plus, c'est vrai, faut que. Tes attaques deux fois. Ouais. Ça, c'est chiant. Ah, calice. Damn, mon esti. Putain, mon tabarnak. Ah, fuck you. Ah, puis ça va amener les temps. Ah, oh, le tabarnak. Putain, toi. Bon. On reprend nos esprits. Puis voilà. Mm-hmm. Bon, ok. Next step. Celui-là. Faut que j'amène le bloc en arrière. Mais j'ai pas le choix. La 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 la. Bon, c'est tout. Ah, il tabarnak. Ça va être carré comme ça. Ouais, c'est juste que j'ai oublié d'avancer. Ma sage du feu, en quelque sorte. Ouais. Ou archer de feu, plutôt. Bon. Là, il me semble qu'on n'a pas besoin de mettre le blush qui est ici. Ok. Par contre, avec ces torches-là, t'as un tout ça. Ouais. Ah, oh, tabarnak. Ok. Un peu de concentration ici, là. Ah, oh, tabarnak. Et voilà. Ouais. Là, par contre, ça va être bon pour faire chier. Une chance au moins, il a pensé à mettre des flèches ici. Ouais. Là, ça risquerait d'être assez corsé, par contre, cette shot-là. Là. Justement, contre le mini-boss. Ouais. Je me disais bien. Oh, ben va chier. Ah, tabarnak. Oh, une chance que t'as une fée. Ouais, mais ben, c'est extrêmement corsé, ce game-là. Là. Ouais, t'as deux chances contre lui. Ouais, tu prêtes ouais, de le mieux, c'est pas ça. Il s'est coincé dans le. Check les. Il revit automatique. Le petit Chris. Ah, il s'est déconcé. Ah, faut que tu fasses ça deux fois. Ouais, je veux le faire plusieurs fois. C'est la seule manière d'être, de me battre sécurisé. C'est ça. Ouais, ça me fait chier de faire ça. Ouais, ça c'est le. On a un combat épique. Sans le voir. Sans le voir en plus. Ouais. Sans conduit. Bon bah avec la magie c'est beaucoup mieux, disons. Ça je te dis, c'est. Carrément du foutage de gueule si j'aurais été me battre de manière légale.
Les flèches de feu. Bien sûr. Donc on a eu le lac et les flèches de feu dans le même. Yes dans sir. Le même tombe. Ouais. J'ose. Mais j'irai pas tout de suite là. Je vais juste aller chercher quelque chose. Yep. Tu parles pas de la sculpture. Exactement. Je m'en vais chercher. Je m'en vais chercher immédiatement. Décalisse. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paflo. Ouais, c'est ça. Nope. Nope. Bon, allez. Tabarnak. Yo, qu'est-ce que c'est ça? je veux voir le reflet. Ah, ouais. Oh mon dieu. C'est débilos. Ouais. J'ai ici, si je me trompe pas. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait d'arrêter la musique? Bon, on va juste chercher ce que je veux. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. À chaque fois que j'entends le mot, ça me pote juste dans la tête de voir Didi commence à dire ça, puis il se jette dans la poubelle. Il se jette dans la poubelle. Oui. Ouch. Aïe, aïe, merci beaucoup. Hein. Ouais, merci beaucoup. Il t'aime ces deux-là. Ouais. Pas pour rien. Mais par contre, il y a quelque chose que je peux exécuter. C'est ces torches-là. Tu vas pouvoir les torcher. Ouais, il peut pas m'atteindre, le cave. Ah, t'avais même pas besoin des flèches de feu hein, pour allumer ça. Non, mais je pourrais le faire en ligne droite. Ouais. Ouais. Je dis ça comme ça. Là. Je vois pas le gosse, là. C'est vrai que j'ai pas fait la grosse tête. Pas grave. Le cul est aussi important. C'est vrai. Le compte de cœur, je sais pas. Exactement. Je me disais, pour pas avoir trois objets de donjon déjà comme ça. Ouais, pièce de cœur. Celui-là, par contre, je l'avais pas remonté. Ok. Fait que là, je suis pas à la même place, non? Bah, finalement, j'ai. Pour dit ça. Retourner vers où que t'avais battu le. Ouais. Le mini-boss. Ouais. Qui sont en fait. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de boss dans ce jeu-là, qui va une valeur. Mais d'un autre point, bon, c'est de la corruption, eux autres. C'est des corrompus. D'accord. Bon. Mais je pense, je sais pourquoi il y a. Il a mis pour pas qu'il y ait pas de boss dans le dedans, c'est parce que si on met les boss de Ocarina of Time que Link avait déjà battu parce qu'ils sont faits et qu'on que ça de la suite, ouais. Ça ferait que dans un sens bizarre dans le scénario. Excepté si c'était le Dark Clone, là, ça aurait été quelque ouais, chose par contre. Le Dark Clone, j'aurais accepté par contre. Elle va chier. Il a arrêté ma flèche avec une noix. Oui. Eh oui. Je suis tu m'as fait chier tout à l'heure, décalisse. Est-ce que c'est drôle de les voir aller? C'est sûr. Ok. Ça, on s'en fout, on a déjà été. Bon. Là, cette fois, c'est pour de vrai. Alright. Et ça termine ainsi. On n'arrête pas le progrès. I'm the queen of the universe. Oh yeah. On a fini le premier tome. Yes, sir. «
La pierre de l'agilité est précieuse. Ses ors de vitesse rapide, peu importe. Ce temple a vraiment été compliqué. Knight, cette stone est vraiment belle. Elle brille comme une émeraude. En tout cas, Link serait fier de moi. Allons à le village d'Abello. J'ai pas un truc, non, c'est pas la même chose. Un inject, puis un autre affaire émulée. Ouais. Fait que je vais essayer de me trouver un spot là pour arrêter la vidéo. Ça. Ouais, je pense que ça va être bon. On a fait quand même toute cette grosse partie là. Deux minutes, c'est juste qu'il faut. Que... Ouais, comme ça, ça va être correct. Si... Ouais, si ça s'arrête. Je sais pas. Ouais. La caméra se bloque par le truc de la plafond. Et c'est bon. Non, on est correct, je pense. Bon, ben, donc du coup, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Qu'on a fait quand même une grosse session de tournage. Donc, la prochaine fois, on irait vers Libello Tombe. Libello, hein. Ouais. Et ben, de continuer d'aller remonter. Apparemment, c'est, on a remonté un pierre, hein, c'est ça? Ouais. Le pierre aime l'autre, donc je pense que le but, c'est qu'on va sûrement ramasser les pierres pour ensuite. Aller vers une fin. Là. Mais ouais, là, pour l'instant, j'ai juste stone là. Alright. Donc, du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Ça nous fera très plaisir. Ça pour vous. Suivez sur ce Let's Play. Partagez la vidéo comme vous voulez. Et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre. Mais. Terrible, on se aussi. Pardon. Et aussi d'aller suivre la chaîne de Tal Legendary MCK. Yes, sir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et qu'il y ait des étoiles au potage. Et à plus. Ciao, la gang.